Merci d'être là nombreux pour cette rencontre avec Natasha Brown, que je salue. Bienvenue à vous. C'est une rencontre autour d'Assemblage, son premier roman, qui a paru en 2021 au Royaume-Uni et qui a paru dans sa traduction française cette année aux éditions Grasset, dans la collection En lettres d'encre. Il faut citer la traductrice qui est Yakuta Alikavazovic, qui est traductrice, mais qui est aussi une des autrices les plus passionnantes que l'on ait aujourd'hui en littérature contemporaine. Comme nous parlons de traductrices, j'en profite pour remercier d'ores et déjà Angela Kent d'être notre interprète aujourd'hui. Natasha Brown, je vous présente en quelques mots et je présente ce livre. Vous êtes passée par des études de mathématiques à Cambridge. Vous avez travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur bancaire. Donc je le disais, Assemblage est votre premier livre, il a été très remarqué au Royaume-Uni, encensé, on peut le dire, faisant de vous, alors là je cite votre maison d'édition française, le grand espoir des lettres britanniques. J'espère que ce n'est pas trop dur à porter. En tout cas, ce roman fait son chemin dans le monde entier, puisque les traductions sont nombreuses depuis 2021 et cette année de sortie. Alors, je vous présente un petit peu ce roman Assemblage. Nous rencontrons la narratrice de ce roman, qui est une jeune femme britannique, noire, à un moment où une remise en question majeure l'attrape. Elle s'interroge, en fait, sur la poursuite de sa vie telle qu'elle s'est toujours, telle qu'elle l'a toujours menée, c'est-à-dire en répondant à toutes sortes d'injonctions sociales, de réussite, de labeur, de gain d'argent, injonctions à accepter aussi finalement l'inacceptable. On va en reparler puisqu'il est question de racisme, de misogynie, de condescendance, de violence au travail aussi. Et d'accepter aussi finalement un principe d'assimilation. Il en est aussi question où il s'agit de redoubler de travail, mais aussi de redoubler de discrétion. Nous en reparlerons. Il y a aussi son corps qui, à ce moment-là, lui fait signe que ça ne va pas. Et puis, il y a aussi à l'horizon un moment très important de ce livre, peut-être la scène centrale, qui est une garden party qui est organisée chez les parents de son petit ami. Son petit ami qui appartient à la haute bourgeoisie anglaise. Donc c'est un roman court, un roman qui joue sur le fragment et sur un rythme qui est vraiment tout en rupture. Donc ça offre une très belle expérience de lecture. Alors je commence avec ma première question, Natasha. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu comment s'est imposé le début de la construction du roman. On a aux premières pages une forme éclatée, des fragments, une espèce de chaos, même chronologique. Et en même temps, il est évoqué des choses très graves, de harcèlement au travail, une agression, une menace exprimée par les collègues de la narratrice. Et tout ça est un peu recouvert par deux phrases. Tout va bien et ce n'était rien. Et ces phrases-là, quand on les répète, elles ne veulent plus, elles veulent dire l'inverse de ce qu'elles disent d'habitude, finalement. Et ensuite, il y a la partie qui s'intitule Assemblage. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux parties qui s'enchaînent, sur ce début de roman, comment vous avez construit ça ? Hello, thank you for the introduction, and hello everybody. I'm so happy to be here. It's absolutely beautiful. Really enjoying the trip, so thank you. Yes, the novel, it's sometimes described as experimental, because particularly in the beginning it's made of these little passages, and then it sort of all comes together and the style changes as we get towards the end. And I was really looking for a way of creating a narrative that could bring us into this character's world. As you said, she's a youngish woman. She works in London in finance.
And we watch her travel out to the English countryside to attend a grand garden party. And that's well-trodden ground in the English novel. And I was really trying to find a way to make it feel fresh and to make it feel new and to update it for this character in 2019 when the novel's set. So some of the experimentation and the playing around with the voice was really about finding a way to update, I suppose, an old trope in English novels. Oui, tout d'abord, merci. Je suis vraiment heureuse d'être là, dans cette belle ville. En fait, le roman, certaines personnes le qualifient d'expérimental. C'est vrai que ça commence avec une série de packages d'informations qui, par la suite, la narrative développe le caractère. Mais je voulais vraiment que ce style représente le personnage qui est femme, qui travaille dans le monde du finance, qui, par la suite, va dans ce garden party. Et dans un sens, le garden party, c'est un peu le typique du roman anglais. C'est le roman anglais du 19e. Là, c'est vraiment le même type de personnage ou situation, mais d'aujourd'hui. Ça a été écrit en 2019, et je voulais que ça représente vraiment le personnage d'aujourd'hui dans un contexte typiquement anglais. But just specifically to what you were saying about the bit, so there's a little bit that happens at the start of the novel, and then we get the name of the novel again, Assembly in English, and it sort of opens with the main character speaking to some school students. So they're teenagers, they're in school, and she's encouraging them to consider careers in finance. And for me, it was really important to, when we have an event like that at school, it's called Assembly in England, and I really wanted to tie that back to the title of the novel of itself. Because when we see her speaking to these school students, we're really skeptical about what she's saying. We don't believe that she thinks they should work in finance. We think she's not speaking the truth, but she's saying what her company's told her to say. And that same skepticism we have towards what she's saying in that moment, I really wanted to try and invite it to the novel as a whole, because on the one hand, a novel is something artistic, and we often look to novels as telling us something about the truth of a particular person or a particular experience. But I also wanted to draw attention to the artifice as well. It's a product, and we sell it for entertainment, and Penguin, who publishes it in the UK, they sell it to make a profit. So the same pressures that we think about with the narrator speaking to the school children, I wanted to draw attention to those in the novel itself. Oui, effectivement, ça commence dans une école avec les jeunes. En fait, le personnage principal est en train d'adresser ces jeunes personnes en encourageant ces personnes de chercher une carrière dans le finance, etc. En même temps, assemblage, c'était un peu un assemblage de personnes. Et en anglais, assembly, ça veut dire aussi chaque matin, par exemple, dans les écoles, il y a ces assemblies. En même temps, il y a un élément de scepticisme qui rentre dans le roman. Et là, c'est quelque chose que je voulais vraiment développer. La question de la vérité. Est-ce qu'elle dit la vérité? Est-ce que la vérité existe vraiment dans le roman? Et c'est vrai que dans toute vérité, il y a l'aspect artistique. Et aussi, il y a, dans le cas d'un livre, l'aspect profit, l'aspect de la rentabilité, et donc il y a ces mêmes types de pressions où tu as quelqu'un qui est devant les jeunes qui essayent de parler d'une certaine vérité, et on veut vraiment tester cette vérité dans ce personnage du personnage. Oui, je voulais évoquer justement cette première scène où la narratrice donc s'adresse à des jeunes filles, finalement projette sa vie pour les inspirer, pour les encourager à finalement se lancer peut-être dans une carrière. Ce qui est intéressant là, c'est que ça fait partie de son travail, ça fait partie de son poste de faire ses conférences, parce que, et là elle cite finalement l'entreprise pour laquelle elle travaille, la diversité doit être vue. Et dans cette même scène, elle dit aussi qu'elle propage finalement des mensonges, elle n'est pas du tout dupe de ce qu'elle raconte, c'est quelque chose qui va revenir. Et là, vous montrez quand même une forme de perversité du système, c'est-à-dire, on voit bien qu'elle subit ce système-là,
mais la question se pose aussi de sa complicité. Yes, I think that's a question we ask quite often, and I think it's because she works in finance, and certainly for people of my generation as well, the credit crunch, the global financial crisis in 2008 is always quite present in our minds, so it's not an industry that we have, I think, very positive feelings towards. But I really wanted to look into the nuances of this question and what it means for this woman to work in this kind of an environment. As you mentioned, we find out later in the novel that she's actually quite ill, and she's recently had a diagnosis of breast cancer. She's making a decision about what she wants to do. And I think the nuance there is that, well, the context, I suppose, in the UK and the US, black women have a higher mortality rate from cancer. And for the under 40s age group, which is where the narrator is, and breast cancer, is what we call the excess mortality. So even if you consider her socioeconomic background, even if you consider her other health factors, those women are still dying at a higher rate. And it's not just cancer. It was the same for the coronavirus, for death in childbirth. It's 5 times the rate for black mothers. This is something that we see sort of across all areas of healthcare for black women. And how that relates again to the question of finance, the reason the narrator knows that she's ill and has the chance to make a decision about it early is because her employer pays for comprehensive health scans for her very proactively. She's profitable to them. They want her to keep her healthy and alive. And for me, it comes down to a sort of more fundamental question. What does it mean for a person to face the realization that their company values their life more than their country? And I think that's a slightly more subtle question around the whole idea of the banking system and how we should feel about it. But it's certainly, I felt, something I wanted to examine with the book. Oui, en fait, c'est vrai que cette question de la complicité arrive tout au début. C'est vrai, c'est une femme noire qui travaille en finance à une période où il y a la crise financière et toutes les jeunes personnes sont très conscientes de la menace, en fait, cette crise financière. En même temps, tout ce qui est finance, c'est pas forcément très bien vu. C'est pas une industrie qui est bien considérée. C'est pas très positif. À côté de ça, on a la réalisation ou la révélation en fait qu'elle est malade, qu'elle souffre d'un début de cancer du sein. Ça c'est important aussi que le taux de mortalité chez les femmes noires aux USA et dans le UK est beaucoup plus élevé en ce qui concerne le cancer du sein. C'est pareil pour la mortalité pendant l'accouchement. C'est 5 fois plus élevé chez les femmes noires. Et elle, dans son cas, elle peut profiter d'un système qui est offert par le finance, de consulter les meilleurs médecins, chose qu'elle peut faire. Mais ça la fait réfléchir sur le fait de sa vie vis-à-vis de sa valeur économique, quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de compromis entre les deux. Pardon. Oui, alors peut-être qu'on peut justement continuer à parler de cette narratrice, de ce personnage, de l'état dans lequel elle est. Elle semble porter énormément de choses en elle, tout en cultivant aussi, vous le dites, une forme de détachement de ses émotions. Donc on voit qu'il y a une situation qui est en train de peut-être de la rattraper à ce niveau-là. Vous parliez de sa maladie, donc on est à l'intérieur de son corps, et il y a aussi tout ce qui vient de l'extérieur finalement et qu'elle ne supporte plus. Elle dit qu'elle a toujours vécu comme on lui a dit de vivre, comme elle a pensé qu'il fallait vivre, comme elle était censée faire ça, travailler comme ça, mener sa vie comme ça. Et on sent que là, son corps ne supporte plus ce qui vient de l'extérieur. Yes, because I think there's something called the weathering hypothesis. So this was, I think, an American public health researcher who termed... who came up with the term to describe the phenomenon of this higher mortality rate for black women.
And she drew, or she made a hypothesis that it was because of the broader context, the broader situations that black women find themselves in, having a compounding effect on health. And certainly I think it's one very meaningful way to interpret the book. I think in terms of how I wanted to take these ideas and these questions and form it into a novel, I wanted to find a way that it didn't feel like too much, it didn't feel too heavy and like a drag for the reader to read. I wanted it to feel not exactly uplifting, but interesting and curious. And I was really trying to find a route into the story that can make it feel not like statistics, because they can seem quite cold, but actually like a woman who we're interested in and a woman who we're rooting for, which is why, for me, the book is so short. Felt like 1,000 pages of this might be a bit too much, but 100 pages is an interesting amount of time to spend with this character. And I also find her quite funny and quite amusing, and I feel her voice really carries this story. She grabs us, hopefully early on, and takes us on this journey with her. And I think to me it was really important to find a character in this way, because it's about taking something that can feel quite an abstract and quite a depressing question and turning it into the thing I think that stories are so powerful for, making us experience something and question the world. Oui, c'est vrai qu'on a vu les liens entre les difficultés de confrontées par les femmes noires dans les situations quotidiennes et aussi au travail. On a trouvé le lien avec la santé ou les problèmes de santé. Je voulais pas pour autant rendre l'histoire trop lourde. Je voulais que ça garde une certaine légèreté et même que ça soit quelque chose qui inspire. Et c'est pour cette raison que le roman n'est pas très long, en fait, à une centaine de pages, parce que je ne voulais pas vraiment rester dans quelque chose de trop noir. Mais, il y a certains éléments dans l'histoire qui sont plutôt amusants, qui ont ce côté plus positif. Ouais. Peut-être qu'on peut aussi évoquer un autre personnage, un personnage plus secondaire, qui est une amie de la narratrice, qui est Rach, je ne sais pas comment on prononce, qui est un personnage qui contraste beaucoup avec la narratrice, et en même temps, qui parle aussi d'elle, finalement, dans cette différence qui se crée entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette collègue et le lien qu'elle entretient avec la narratrice? So Rach is the main character's best friend, and they both work in this bank. They both do this very high-pressure, high-powered job. But Rach reacts sort of differently to the circumstances. She relishes it. She seems to be a hugely competitive person and to find a lot of joy in the situation. And I think it's quite fun having these two very different women bounce off one another and react differently, because of course we don't all react the same way. And as the novel continues, we see that some of the pressure, some of the environment does take its toll on Rach, and she is figuring out her own way of adapting to the situation. But I think one of the really interesting things about this book coming out when it did during the lockdown and the conversations that I had with readers around it is it was a hugely, I think, familiar experience being in a very high-pressure working environment and figuring out, particularly as women, how do we cope with this pressure and how do we balance all of the things, all of the demands that life makes on us. And I really enjoyed being able to explore it through two different women who weren't in competition, who were supporting each other but reacting quite differently. Oui, effectivement, Rach travaille avec sa copine, sa meilleure copine, sa collègue, travaille dans le même contexte où il y a beaucoup de pression, c'est très très difficile, mais elle n'a pas du tout la même réaction. Elle est plutôt, pour elle, c'est une source de joie même, souvent. Et je voulais montrer ces deux femmes qui réagissent d'une manière différente, mais qui ne sont pas du tout en confrontation ni en compétition. Mais qui sont toutes les deux sujettes à cette pression. J'étais très intéressée par la réaction des lecteurs, en fait, surtout pendant le confinement, parce que les gens ont beaucoup parlé des difficultés pour les femmes, de la pression
de l'idée d'équilibrer le travail avec les autres pressions de la maison domestique. Et voilà, donc ces deux femmes pourraient représenter les types de pressions qu'on on vit tous. Il y a une page dans le roman où il y a un mot qui revient. Alors en français, c'est appréhension. Ça revient à plusieurs reprises. Et appréhension, finalement, ça a un double sens. Il y en a un premier très neutre qui est juste le fait d'appréhender, donc de saisir, de comprendre. Et il y a donc ce deuxième sens qui est là plutôt envisager quelque chose avec inquiétude, une chose imminente, une chose qui peut arriver. Et vous dites, dans un très beau passage, vous dites que c'est une ligne de basse, oui, qui cogne dans sa vie, une ligne de basse. Voilà. Et elle dit aussi, la narratrice, je ne me souviens pas d'un moment où je n'ai pas éprouvé ça. It's really interesting to hear the word that was used in the translation, because in English the word is dread, and it repeats a lot, so you get dread, 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 this kind of beat as she's saying it, and you really feel that punch. But I think it's so interesting, and I think it sort of speaks to, I had a fantastic translator for this novel, and I think she did an incredible job, apprehension and having that idea of understanding come into it too. For me, that was another big part of the novel. The narrator says very often that she understands the people around her. You know, for me, this is really not an angry book at all. This is a book of a woman and a society, I think, Britain more generally, just trying to figure out the question of how do we all live together? How do we all get along as our society changes? And for the narrator, she bears, I think, the weight of understanding all of these people around her, trying to bridge these gaps and these faults in our communication. But at the same time, she pays a heavy price for that, and it weighs on her too. To go back to that passage, though, for me, it really crystallizes that sense of anxiety and pressure, and just, I think, the modern world that we live in, the sheer volume of information that we're faced with every day. This is how this character internalizes it. It becomes this drumbeat in her life. And it's a really, I find, surprising passage, because it's the one that no matter where I go and who I speak to about this book, it always gets picked up as it really stood out as something that felt quite real. Oui, justement, j'ai apprécié le fait d'avoir utilisé le mot appréhension, surtout avec ce double sens de compréhension et de peur. En anglais, le mot dread à utiliser, qui est peut-être un peu plus fort que le mot appréhension. Et entre parenthèses, je voudrais remercier mes traducteurs qui ont vraiment fait un super travail. Ce qui est intéressant aussi avec cette notion d'appréhension, c'est que, en fait, le personnage principal essaie toujours de comprendre les autres. Elle est entourée par des personnes différentes. Elle reconnaît que les gens réagissent différemment aux mêmes situations, avec les changements dans la société, le fait de vivre ensemble. Mais elle paye le prix pour ça. C'est elle qui, à la fin, même si elle essaie de comprendre les autres, c'est elle qui doit vraiment payer le prix lourd de cette compréhension. Cette inquiétude, cette appréhension est justement comme une sorte de ligne de base qui revient continuellement dans sa vie. Et c'est quelque chose sur lequel elle est très sensible. Alors je rebondis sur cette idée de payer le prix, puisqu'il y a ce contexte de bancaire. Vous avez aussi travaillé dans ce secteur-là. Et il me semble qu'il y a un motif qui revient de différentes façons dans le roman, c'est celui de la dette. Il y a quelque chose qui revient à différents niveaux. Elle évoque la dette qu'elle a vis-à-vis de ses parents, qui ont beaucoup travaillé, qui l'ont toujours encouragée pour qu'elle réussisse cette ascension sociale. Il y a une dette qu'elle ressent et qu'elle ne veut pas ressentir vis-à-vis de la société. En tout cas, la société ne cesse de lui rappeler qu'elle lui doit qu'elle lui doit quelque chose. Et puis, il y a un niveau encore plus haut quand vous parlez de la colonisation et de la décolonisation.
Là aussi, il y a l'idée que les pays ex-colonisés, auraient encore une dette vis-à-vis du pays ex-colonisateur. I think debt is really a key concept and a key idea throughout the book. For starters, debt was the sort of big thing that caused the financial crash, that caused, I suppose, a lot of the cultural shift that affects how we look at this character and how we look at the financial services industry. I think there's also the question of who do we feel owes something in society, and I feel particularly the rhetoric that I've seen in the media over the course of my life, we tend to, in the news and in the way we discuss society, look at minorities as people who owe society something and people who need to pay something additional. And what I felt was quite interesting was placing this book really at the moment where it happens. She works in the financial sector, what we call the fourth sector of the economy. So that's sort of technology, research, you sort of meta work. It's a new sector in the economy and it didn't exist 20 years ago or so. The story is only possible at this moment in time because these sorts of jobs exist where they're not client-facing, they're not customer-facing, and they have a very clear metric that we can assess how well someone's performing the job. And the strange consequence of that is that more minorities than ever are working in jobs like finance, working in sectors like technology, and we've got this new workforce who look quite different to who we might have thought this workforce looked like. And in fact, these people are enormous taxpayers in our society, and these are the people who fund the social safety net that we all value and we all care about. And I think I really wanted to highlight that although sometimes we might look at this kind of a character as someone who owes something or is extracting something, actually she contributes a huge amount more than somebody who perhaps has generational wealth, where because it's not income, they're not paying any tax on that, but they are still benefiting from the society. Now, it's not to say that anybody belongs more, anybody is more valuable, but I think it's a question of, has our rhetoric and the way we talk culturally about these people caught up to the reality of actually what they are contributing to the economy? Oui, c'est vraiment, c'est très intéressant toute cette notion de dette, surtout avec le changement dans la culture qu'on voit dans nos sociétés aujourd'hui. Souvent, aux infos, par exemple, on entend parler de la dette de la part des minorités. C'est souvent vu sous cette perspective-là, alors qu'avec les changements dans le monde financier, avec les nouvelles technologies, avec le fait que les personnes qui travaillent dans le finance ne sont pas forcément face à face au public, veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, des minorités, qui travaillent dans les jobs très importants, qui génèrent beaucoup d'argent et qui sont loin d'être ceux qui pompent la société, sont ceux qui contribuent le plus. Et dans peu de temps, ce changement a eu lieu. Et je pense que c'est très, très intéressant de le voir de ce point de vue. Et sans parler de la valeur culturelle de l'un ou l'autre, mais il y a quand même eu ces changements. Je voulais lire un passage qui concerne justement cette question. La narratrice s'est fait insulter par un type dans la rue qui l'a traité de négresse. Voilà comment, voilà la réaction, voilà ce que vous écrivez. Tu ne dois rien à personne. Je paie mes impôts tous les ans. Toute somme dépensée pour moi, pour mon éducation, ma santé, que sais-je, pour les routes, je l'ai rendue, avec intérêt. À présent, tout n'est que profit. Je suis ce que nous avons toujours été pour l'Empire, un putain de profit net. Une ressource naturelle à exploiter et dénigrer et exploiter encore. Je ne dois rien à ce petit garçon, ni à cet homme, ni à ces manifestants, ni à l'Empire, ni à la mère patrie, rien du tout. Je ne leur dois pas mes 40 années à venir, je ne leur dois pas la putain de minute qui vient. Qu'est-ce qu'il reste à prendre? On y est, c'est le bout de la route, ce sera sans moi. Voilà, au moins c'est dit très très clairement dans ce passage, et puis ça donne une idée aussi de comment ce personnage se formule les choses. Yeah,
I think that's a really, it's a passage that stands out in the novel. It's very different in tone to the rest of it, and it's more a moment where she's really, she's getting pressured to make the decision to treat her cancer aggressively, and she's not entirely convinced that she should. And so that's less of, I think, a reaction to society more broadly, and more her internalizing the question and, I think, acknowledging to herself that her health and her decisions about her body are entirely her decision, and questions of society and giving more years, I suppose, to society she feels shouldn't come into it. Oui, ce passage est assez différent en termes du ton du passage par rapport aux autres parties du livre. Je pense que c'est plutôt qu'une réaction contre la société. Je crois que c'est sa réponse à la pression du cancer. Elle est en train de se rendre compte de la gravité. Elle est face à une question de à savoir comment elle va réagir. Elle n'est pas complètement convaincue qu'elle doit se faire soigner. Et donc, c'est une décision plutôt interne, d'ordre interne, qu'elle traite avec ce passage. Parce que, est-ce que son corps, par rapport à la dette, est-ce que ça doit aller jusqu'à atteindre son corps? Mais justement, je voulais aussi aborder cette maladie qui la touche. C'est assez marquant la façon dont elle reçoit cette nouvelle et en effet toutes les hésitations qu'elle a par rapport à ce qu'elle doit faire maintenant qu'elle sait qu'elle est gravement malade. Et elle dit en fait qu'il y a là la possibilité de cesser l'infinie ascension dans laquelle elle était. Finalement, la possibilité que tout cela cesse. Et là, je voulais citer aussi le livre. Elle comprend que, là, je vous cite, continuer maintenant qu'elle a le choix, c'est choisir la complicité. Survivre, c'est participer à leur récit. Cette prise de conscience, elle est quand même terrible parce qu'on la sent finalement acculée à vouloir préférer finalement peut-être ne pas se soigner. Pour rompre enfin avec cette pression. Well, I think, you know, the way a narrative usually works is a character faces a problem, they try and solve the problem, they either succeed or fail, but the tension builds as they address the problem, and then after that conflict, the tension drops off, and then we do the same thing again and again, and that's how a narrative builds up more and more until the end when we have the biggest conflict and the biggest drop-off. And at the end of the novel, we get this incredible feeling of relief, whether or not the character succeeded or failed, just the fact that we've gone through that narrative cycle, it gives us this feeling of release and happiness. And I didn't feel as a writer it was... I didn't think it would be responsible, I think, to do that when it came to the question of the cancer, to have her make an active choice and give a sort of a fighting this illness narrative. It would bring us to the point at the end of release and just keep it on the level of this one small question. I really wanted to lean into the uncertainty and the discomfort that so many women are facing today when they're living the reality, they're losing people too soon who didn't have to be lost because of this disparity. So rather than have her actually take the action that we would expect and have the narrative arc that we would expect, the novel feels quite still and it sort of stays in the uncertainty and the question of this moment. She doesn't make a choice, and instead of getting success or failure and a feeling of relief, we have to be uncertain and feel the discomfort. Oui, alors je pense que le processus narratif est souvent une série de tensions, de problèmes ou de questions qu'on résout plus ou moins. Et ces questions deviennent de plus en plus sérieuses ou graves. Donc ça crée une sorte de tension dans l'histoire. Je ne voulais pas vraiment reproduire ça. Je voulais avoir le mouvement de la narration, mais je ne voulais pas résoudre la question une fois pour tous. C'est vrai que... Elle laisse une certaine incertitude
on n'est pas sûr du tout comment elle va réagir. Donc, je ne voulais pas avoir, si vous voulez, le soulagement d'une réponse définitive. Je voulais justement maintenir cette question. Et puis, je voulais que, plutôt que la satisfaction d'une décision, avoir quelque chose de... sans mouvement, quelque chose qui est resté un petit peu immobile dans l'histoire, peu importe la réussite ou l'échec de sa décision. Oui, en effet, rien n'est résolu quand on a terminé le roman, mais on a au moins partagé l'expérience de la narratrice et peut-être l'état dans lequel elle est, tout ce qu'il a traversé dans le moment qui nous est décrit. Yes, I think, you know, we don't find out a lot about this character. We don't know her name, we don't know her precise age, we don't know what she looks like. We don't get her reactions to a lot of the situations and the spaces that she moves through. And that sort of goes against what you would expect a novel to do. Normally, we expect when we're writing, the more detail that you give the reader, the better they understand the character and the closer they feel. But I felt that particularly... how identity can sometimes be weaponized in discourse today, giving all of these details would put a distance between the reader and the character, and I wanted to see, is it possible to actually pull those all away and take everything out and just leave a space that the reader can take in the book, leave it open to interpretation and actually allow the reader to look out through the narrator's eyes and see the story that way. And I think the effect at the end is you still feel like you got to know a character, you still feel that you had an experience, but it's much more personal and it's much more individual to each reader rather than a very prescriptive approach sort of telling the reader how they should feel. Ce qui se passe habituellement, c'est que au fur et à mesure que l'histoire ou le récit avance, on a de plus en plus d'informations sur le personnage, on a les détails, alors qu'ici, on ne sait même pas comment elle s'appelle, on ne sait pas à quoi elle ressemble, on a très peu d'informations, on ne sait pas quelles sont ses réactions. Et je voulais justement essayer de permettre au lecteur de s'approcher du personnage, mais sans toutes ces pléthores de détails, et laisser une sorte d'espace pour le lecteur à faire sa propre interprétation, que je pensais était plus personnelle, plus individuelle que le résultat d'une somme d'informations, de détails. Alors, il faut que nous parlions de cette grande scène de la Garden Party, qui est une scène vraiment importante dans le livre. Elle n'a pas très envie d'y aller. Elle nourrit des inquiétudes par rapport à ce qui pourrait se passer. Et elle sait par ailleurs que les gens qui seront là-bas nourriront sans doute, et c'est dit assez clairement, en fait, des attentes par rapport à elle. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va représenter quelque chose. Elle sait qu'elle va devoir multiplier les efforts pour se conformer finalement encore une fois à ce qu'on attendrait d'elle. Donc il y a une grande lucidité. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les grands enjeux finalement de cette scène et son importance dans le roman? Well, I think the garden party, sort of within the English novel, and this one is very explicitly referencing the short story The Garden Party by Catherine Mansfield. It's a sort of narrative device that we're quite used to in a lot of novels. Either sections or the whole novel build up to these scenes and then the comedy plays out at the party. So as a writer, and particularly with a book that's quite experimental in style, it's very useful because it kind of gives an engine to the story, it gives the momentum, and we understand what we're building up to. What the character does, and what's a little bit unexpected, is she doesn't go to the party. Not that she avoids it necessarily, but the narrative splits off in a different direction. And actually, at one point, she physically leaves the garden that she's in and goes on a walk that becomes quite abstract instead.
And to me, this was a really interesting way to play around with the expectations of what the novel would do and what the narrative would do, and also really gives the character an explicit moment where she makes an active choice. I would say this is a character who doesn't have a classic character arc. She doesn't really change or grow over the course of the novel. And I see her arc as more one moving from a character who the story's happening to an active narrator who's reaching out to us, telling us the story, directing our gaze, speeding up, slowing down, zooming in, zooming out. And that all happens for her, and that shift happens in the style too, from the moment she leaves the garden and the narrative takes an unexpected turn. Oui, en fait, justement, le fait qu'on peut utiliser la fête dans le jardin un petit peu comme un classique dans la littérature. Il y a Catherine Mansfield qui a écrit justement un livre là-dessus. Donc, on a un certain nombre d'attentes sur comment le récit va se développer. Ce point un peu culminant avec la fête. En fait, elle évite de le faire, le personnage dans ce livre. C'est pas qu'elle décide de pas y aller, mais il se trouve qu'elle a envie d'aller se promener. Donc, il y a une sorte de bifurcation dans la narration. Et à partir de ce moment-là, puisqu'elle n'est pas dans les attentes, elle commence justement, elle va plutôt vers un personnage qui prend ses propres décisions, qui dirige un peu le regard du lecteur et qui est beaucoup plus actif dans l'histoire qu'auparavant. Oui, c'est vrai qu'elle est dans une position parfois finalement d'observation. Elle peut finalement observer dans leur milieu naturel. Là, je crois que je vous cite les parents de son petit ami. Et d'ailleurs, il n'est pas question de son petit ami. Elle écrit à chaque fois pour le désigner. Elle écrit le fils. Donc on voit bien qu'il y a une lecture sociale là qui, elle, voilà, ça rejoint cette idée d'observation sociale. I think it was really interesting with these characters to play around with who was named and who wasn't named, and if they weren't named, what she calls them. And this boyfriend character, when we're first introduced to him, she calls him the boyfriend, and that's when they're together in London. They separate as he's going to the countryside, she joins him later. And when she reaches his house and is surrounded by his family, she starts calling him the son. And his parents say to her, call us Helen, call us George. And actually she calls them the mother and the father, and she keeps that distance. And for me, that was a really important shift in, instead of these characters sort of imposing how they want to be seen and how they want to be referred to on her, she's actually creating distance and using it to sort of defamiliarize them in a sense and keep her distance, but also, as you say, refer to their broader role, refer to, we've seen these characters plenty of times. Jane Austen is a huge influence of mine, and we've seen these characters before in her novels, just in a different time period. And by referring to each of them by their role, she's sort of pointing to that archetype more broadly. Oui, en fait, il y a un certain nombre de personnages qui sont nommés par elle, d'autres qui ne le sont pas. C'est intéressant de voir comment elle parle de ces personnages-là. Par exemple, quand elle est avec son petit ami à Londres, elle dit que c'est son petit ami, alors que quand elle arrive à la famille, dans sa famille, à leur maison, ça devient le fils. Et c'est un petit peu pareil pour, par exemple, les parents de son petit ami, qui, eux, disent, oh, vous pouvez nous appeler Helen et George, alors qu'elle, elle persiste à les appeler la mère et le père. Et je crois que ce qui était intéressant aussi, c'était de comparer avec l'archétype comme Jane Austen, par exemple, où tu as ces membres de la famille, et plutôt que de garder les rôles comme ça, mais de transposer la période dans le temps au présent. Dans cette scène, et pour continuer à parler quand même du petit ami, justement, on est donc chez lui, où il a grandi, on voit l'étendue de son capital culturel, puisqu'il y a
Il y a la bibliothèque qui est quand même un lieu assez, assez important et qui dit beaucoup de choses. Et lui-même, au cours de la discussion qu'ils peuvent avoir à ce moment-là, parle d'un héritage qu'il a et qu'il doit perpétuer. Et il dit aussi, on retrouve un peu le storytelling qui était présent au début, il dit aussi qu'il écrit son histoire, qu'il écrit sa vie. Il y a toujours une forme d'écriture de sa propre histoire qui est présente. Et je voulais en venir peut-être aussi du coup à la question du lieu, parce que ce lieu-là, c'est le lieu où auquel il appartient, c'est le lieu où il pourra toujours revenir. Et elle aussi, elle a un rapport particulier, par exemple, à son appartement. Vous en parlez au début du roman. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette question-là du lieu auquel on appartient ou du lieu qu'on cherche et qui nous manque? I think the boyfriend is perhaps a character who we're very used to in the English novel. He comes from a landowning family in the UK, probably at one point quite old money, but we get the sense that the money's running out a little bit and he's trying to figure out his career and what he's going to do going forwards, perhaps not with the resources that his parents had. Still, he does feel that he has a heritage there and he feels a huge sense of responsibility and weight in the sense of how does he live up to what he sees his whole history as being. And I think of course, the novel's not from his perspective, but he's having a very similar arc, I think, to the narrator. He's questioning his place in this society. He feels much more comfortable at home in the countryside than he does in London, where there's lots more industry, there's lots more new jobs, new people, and I suppose competition for what he's used to. And we see other characters too sort of making their way through this space. We see his mother married into this family and came from probably a more solidly middle-class family in the UK. And similarly, she's asking herself, how does she fit in? What's her role? What does the narrator represent to her? And I could imagine a version of this novel which feels quite similar, but that's from her perspective. And for me, what was really important writing these characters and trying to really understand them and present them fairly is that they're all just trying to figure out who they are, what they want, and how to lead a satisfying and a good life. It's the same questions. Oui, en fait, le point de vue du récit, on ne le voit pas du point de vue du boyfriend, hein, du petit ami. Ceci dit, c'est un personnage assez stéréotypé, hein, dans la littérature anglaise. C'est quelqu'un qui vient d'une famille riche. Il a quand même un héritage qui remonte à plusieurs générations. Ceci dit, on se demande si peut-être l'argent n'est pas aussi disponible qu'avant, que peut-être lui se pose la question à savoir comment gagner sa vie, quelle sera sa carrière. On voit la même chose avec sa mère, qui, elle, est un peu mariée. Elle est rentrée dans cette famille très aisée, mais elle aussi se demande un petit peu quel est son rôle, quelle est sa place dans la société. Et je pense que c'est quelque chose que je voulais vraiment montrer, le fait que aujourd'hui, on est tous, d'une manière ou d'une autre, en train de chercher notre place et notre rôle, comprendre comment faire pour en faire partie de cette société. Alors, peut-être une dernière question avant de vous laisser la parole, si vous avez les vôtres. Et une question là, peut-être plus large, c'est votre premier roman. Depuis le début de notre conversation, vous avez cité Jane Austen, vous avez cité Catherine Mansfield. Est-ce que le choix pour ce premier livre de ce genre-là, du roman, vient de ces multiples lectures? Comment ce genre-là s'est imposé à vous pour ce premier roman? I think it's an interesting question. I think the part of it in the UK at the moment for new novelists, and particularly ones who don't have a literary background, which I don't, the expectation is you write a book that looks a little bit like your life. And part of that, I think, is because of there's just less money to promote books. So the way you sell your book is you sort of go out and perform it. So they want something that you can
realistically perform, I suppose. So in that sense, some of the broader constraints on what the novel had to be were already set for me. And I asked myself, well, okay, within that, how can I do something interesting? Long before I started writing fiction, I really became interested in the question of language and whether language can be neutral, and how I, as a person, reading in English, thinking in English, speaking in English, can try and use English to assess its own neutrality. And that was really the heart of what led me on quite a long reading project and ultimately led me to writing this book. I wanted to find a way of telling a story that could assess that. And so what I mean when I say that is, if I look at the table here and the edge around it, I could refer to that as the outline of the table. And that's a very neutral statement. I'm, you know, not saying anything political. I'm talking in plain, simple terms. If I said the border of the table, even though the meaning is somewhat the same, I can still convey the same meaning because of someone who looks like me saying the word border, the broader context of that, it's suddenly charged, it's suddenly political, and it has a very different meaning. And I wanted to try and find a novel that could measure that difference between outline and border and try and capture it in some way. So a lot of the elements of the novel that are perhaps less traditional and more experimental were really about me trying to, under the surface of the story, because of course a novel first and foremost has to tell a story, it has to be entertaining. I wanted to really find a way of engaging deeply with this question of language and trying to explore it further. Oui, en fait, j'avais un certain nombre de contraintes déjà, parce que avec la situation de dans l'édition, le monde d'édition dans le UK actuellement, où il y a certains livres qui ont plus ou moins de réussite, donc je voulais faire quelque chose qui avait une chance de réussir, hein, d'être accepté. Et on pensait que quelqu'un comme moi, par exemple, que j'allais écrire un livre qui reflète un peu ma propre vie. Donc, je voulais garder la notion de ce roman qui est assez typique. Mais ce qui m'intéressait au sein de tout ça, c'était le langage. C'était comment le représenter d'une manière neutre. Déjà, je suis anglaise, je parle en anglais. Comment refléter la neutralité? Et si je vous prends l'exemple d'une table comme ça, je peux dire, voilà la table et voilà le contour. C'est une façon de représenter la table. Si je vous parle de la frontière, d'une sorte de frontière entre les deux éléments, si quelqu'un comme moi, comme je suis identifiée, si je commence à parler des notions de frontière, tout de suite c'est chargé politiquement. Donc ça m'intriguait vraiment de raconter une histoire qui correspondait aux attentes, aux besoins du marché, mais d'une manière où je travaille avec la langue, autrement, sous la surface. Merci beaucoup. Nous avons encore quelques minutes si vous avez des questions. Oui, alors, il y a un micro qui va circuler. Il y a une question juste devant ici. Voilà. Merci, Natacha, si vous me permettez. J'ai lu votre livre il y a quelques temps. Et chemin faisant, enfin, j'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup les cultures, vous voyez, enfin, je ne fais pas un discours, et je me suis demandé souvent, au fond, qu'est-ce que vous étiez devenu depuis ce livre, et puis quelles étaient les réactions des milieux que vous nous présentez, par exemple la famille, votre petite amie, et vous, votre carrière, est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que vous faites maintenant, sans rentrer dans les détails, mais globalement... Thank you. I really like that comparison of jazz. It's a fun way of putting it. I think it's been really strange having a book out in the world. And this book came out during lockdown. So at first, when I was speaking to readers, it was all via Zoom, all virtual. And I felt very distant from it. Then being able to come to places like this and have in-person conversations, I think there's just been so many interesting responses to it, so many conversations about other books and the books I've been interested in, and I think the role that books, it's really shown me, I've been a reader all of my life, and it really showed me how it feels to be on the other side of that and to create that same experience I'd felt in other people. I think it's created
I think it's made me a much, much better reader. I think also while I've been engaging with this book and traveling with it, I've taken a career break, so I will go back to work in a year or two. But for now, it's just been an absolute pleasure to be able to spend my time reading, writing, and talking to people about books. That's been incredible. I think for my parents, it was quite a surprise to see me write a novel. They knew me more as a bit of a maths geek growing up, but we were always a very literary family. I was always encouraged to read anything. No books were off limits. And we would often, as a family, discuss, read the same book and discuss our responses to it. And I think for my parents, it was really nice to see that pay off in an unexpected way. And I'm hugely grateful they gave me that background. Oui, tout d'abord, merci pour la référence au jazz, ça me plaît. En fait, l'expérience était très étrange d'écrire un livre. Au début, c'était pendant le confinement, donc tout le contact en fait était virtuel. Mais maintenant que j'ai la possibilité de voyager avec le livre, d'échanger avec les gens, de découvrir d'autres livres aussi, je pense que ça. Je suis une meilleure lectrice déjà. Je pense que je lis d'une meilleure manière. Je pense que par rapport à ma famille, ils étaient plutôt étonnés que je sorte un livre. C'était inattendu. Ceci dit, c'est une famille littéraire, dans le sens où tout le monde lisait dans la famille. Souvent, on échangeait des idées sur ce qu'on a lu. Et pour moi, c'était bien de pouvoir un peu compenser. Mes parents pensaient que j'étais plutôt un geek de mathématiques. En fait, ils ont découvert autre chose. Et pour moi, c'était une possibilité de les remercier. On va peut-être prendre encore une autre question, s'il y en a une. Pas d'autres questions. Eh bien, in extremis. I would just like to know. I can ask you in English because I'm English. I would like to. And then you can translate it. I would like to know if you're working on another book. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un autre livre actuellement? I'm working on another book. I'm actually staying after the festival in Montpellier for an extra week to hopefully finish it. That's the goal. It's very different to this book. It was strange, but really nice after I'd taken a break from writing assembly to sort of come to a fresh page and say, okay, if I could do anything, what would I do? What would the book be? And the book is half comedy thriller in the first half, and in the second half, nothing happens. So quite different. But I'm really enjoying writing it, and it's interesting to play with a larger cast of characters and a lot of different styles of writing. So it's been hugely rewarding. Oui, en fait, j'ai l'intention de rester à Montpellier pendant une semaine et j'espère pouvoir terminer mon livre pendant cette semaine. C'est étrange, c'est un petit peu différent, en fait. J'ai fait la pause, je vais retourner travailler dans un an ou deux, mais pour l'instant, je m'amuse. Je voulais faire quelque chose où il y avait plus de personnages, vraiment une autre approche. C'est une sorte de livre de suspense, mais avec de la comédie, dans la première partie, et dans la deuxième partie, il ne se passe rien du tout. Mais de toute façon, je m'amuse, j'aime beaucoup ce que je fais, et voilà. Mais on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Natasha Brown. Merci à tous. Thank you so much.